Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Garde un capuche, oui. T'es sûr? Oui. Bon, pas de problème. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends pour des invocations pour le fameux Step Up 600 PZ en compagnie du monsieur à capuche que vous avez pu voir. Il garde la capuche, hein, voilà, il est là, il fait le fanfaron parce qu'on sort du cinéma. Introduis-moi là. Introduis-moi là. J'espère que vous allez bien, ça me fait grand plaisir. Et qualité de caméra, de qualité. Moi je suis incroyable. C'est pas mal. Et caméra, incroyable. La caméra. C'est incroyable. Oui, la caméra, incroyable. C'est bizarre, c'est bizarre. Les amis, on ressort du cinéma en 4DX. On a été voir Spider-Man No Way Home. Bien évidemment, il n'y aura pas de spoil. Nous ne sommes pas comme ça. Et là, il est... Spider-Man, Spider-Man. Il va y avoir des traces de doigts sur ton plafond. Calme-toi, calme-toi. Incroyable, c'est incroyable. Calme-toi, calme-toi. Redescends un petit peu. C'est quoi cette mèche là? Merde. Il est fou. Bon, bref, les amis, on ressort du cinéma. Tout ça, on était parti sur Paris le voir avec mon pote Amar et Yekase ici présent. Il est 2h51 du matin. D'accord. On est rincé. On est fatigué. Mais je voulais quand même vous faire cette vidéo qui sortira sans doute du coup à 17h, un truc comme ça. Et vas-y, lui, il commence déjà à invoquer. Vas-y, invoque si tu veux. Vas-y. Et bien évidemment, j'avais envie d'invoquer sur le fameux portail PZ garanti. Je vous l'ai déjà dit. Voilà, si vous êtes free to play, pour moi, je vous préconise d'attendre, voilà, de garder vos cristaux pour obtenir des élèves garantis sur le prochain step-up de fin d'année, ouais, qui sortira. PZ élèves, c'est pas mal. Hein. PZ élèves, c'est pas mal. C'est hein. pas mal si vous êtes cash payer. Bon, moi, ouais, pour le coup, mal, je suis cash payer. Donc c'est pas mal, ça va vous donner 600 PZ élèves. En revanche... Taux, je peux dire, le taux, il est dégueulasse. Non, mais voilà, clairement, le taux est flingué. Voilà, le taux est flingué. Pour avoir des sparkings, c'est 0,07, je crois. Et pour avoir un élève, c'est 0,05% de chance. C'est même pas du 0,1, c'est 0,05. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, donc voilà, prenez le temps, les amis. Voilà, analysez ce que vous avez dans votre box. Ouf. Mais oui, bien sûr que c'est pas ouf, monsieur. C'est tout ça pour ça? Bien sûr, c'est oh. Et en plus, il t'en donne que 5. Oh, je te jure. Non, mais attends, mais la suivante, c'est quoi? Non, là, c'était la première. C'est la première. C'est un truc de fou. La deuxième, t'as encore que 5. J'ai encore que 5. T'as encore que 5. Ah ouais, 5 tirages. Tu sais, j'avais une bonne animation, hein. Non, mais qu'en fait, 5 capsules. Ouais, t'as vu ton animation, ce qu'elle a donné? Walou. C'est pas mon problème. Tu parles d'animation. Après, le problème, c'est t'es pas dans le mood. Yeah! Regarde si je suis pas dans le mood. T'es pas dans le mood, t'as commencé à parler, j'ai pas compris. Bref, nous on sort de Spider-Man, on s'en fout, monsieur. Le mood, le pas mood. On sort de Spider-Man. C'est la planète de la Hesse. Non, mec, la planète de la Hesse. Non, franchement, Spider-Man, les amis. Incroyable, c'était incroyable. Regardez. C'était incroyable. Eh, c'est devenu mon héros favori. Wesh, et puis quoi? Il m'a emporté avec lui. C'est moi qui vais cliquer. Il est ouf, ça m'avait regardé. C'est un ouf. Ce saut. On est là, monsieur. Ce saut, ça se passe très mal. Ça se passe mal. Tu peux pas avoir un fake out. Ça se passe très mal. Wesh, c'est grave bien illuminé et tout, c'est plus comme avant. T'as fait ça comment? Ça a toujours été comme ça, monsieur. Non, c'est faux. Ça a toujours été comme ça. Non, quand je suis dites lui dans l'espace commentaire, les cadres qui sont illuminés. Non, bien pas du tout comme ça. Bien pas sûr que du si. Tout comme bien ça. Sûr que qui t'a fait ça? C'était Karim DJ, je crois. Voilà. Bogos. Donc vous voyez. C'est stylé avec les gunnards. Je te jure, on dirait vraiment un gunnard. Non. Comme dans le film Mr. and Mrs. Smith. À la toute fin, quand ils tuent tout le monde, ils ont des lunettes comme ça, cher stylé. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, est-ce que j'ai la classe avec? Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, Gunnar, si vous regardez cette vidéo, je lui pique. N'excusez pas. Et par contre... Mais c'est stylé de ouf. C'est stylé de ouf, monsieur. Jure. Bien sûr que c'est stylé. Attends. Sinon, je le mettrais pas. Eh oui, c'est stylé. J'ai l'impression que je vois moins flou. Bah... Oh, SSJ. Je m'en fous que tu vois moins fou, par contre là je vois que là c'est SSJ. Eh hey, mais attends, mais c'est un truc de fou. Prends le dessus. Vegeta, Whis, Vegeta, Whis. Vas-y, tellement un taux de drop flingax,
Il n'y a pas de Vegeta ni de Whis. Non, c'est trop. Purée. Franchement, t'aurais dû me laisser invoquer. La vérité, t'aurais dû me laisser invoquer. Mais t'as invoqué tout à l'heure. On a vu ce que ça a donné là. Il reste combien de paliers là? Laisse-moi la place. Invoque. Ok les gars. Vas-y. C'est Sofiane le Geek. Fais voir. C'est pas des. J'en ai marre. Les amis, bien évidemment. Je détecte une fois. Ce step up pour obtenir les 600 PZ d'élèves que je mettrai très certainement sur le Trunks élève que j'ai 4 étoiles pour enfin le passer cette étoile. Voilà, je m'étais dit soit je réinvoque sur Trunks pour espérer l'avoir cette étoile, soit je dépense 3000 cristaux et au moins je suis sûr de l'avoir cette étoile. Intelligent le garçon, ou pas, mais ça c'est pas. J'en ai marre les amis, il est presque 3h du matin, mais vous voulez pas, je suis fatigué. Attends. Je suis fatigué. Et en plus c'est moi qui ai conduit, j'ai fait la route et tout. Hein, toi ça se passait bien toi. Il sait pas conduire, il m'a fané. Moi, même pas envie de parler, même pas envie de parler. Moi je sais pas conduire. J'ai même pas envie de parler. Ouais les gars, ouais. Même pas envie de parler. Bah vaut mieux pas parler parce qu'il y a rien à dire. C'est vrai. C'est quoi tes animations là? C'est la cata, c'est quoi ce jeu là? Sauzer. T'as pas eu un 16 parking garçon? Bah non, bah c'est normal, t'as vu le taux de drop. Il me dit, hey, donne garçon, un sparking. Qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Redonne-moi mes gonards là. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Voilà, qu'est-ce que tu touches déjà le compte? Qu'est-ce qu'il a touché le compte déjà? Hein? Mesdames et messieurs, voilà, et comme d'habitude les amis, max 2 pouces bleus, donc voilà, on va parler un petit peu de Spider-Man, bien évidemment, sans spoil, franchement, j'ai pris ma baffe. J'habite à Lyon, moi, qu'est-ce que je fais là tout le temps? Mais t'es chez moi, chez moi, c'est chez toi maintenant. Ouais, ça fait, c'est trop, 2 heures de route aller, 2 heures de route retour. Oh, c'est bon, alors Sabi, arrête. Mais non, arrête. J'habite à Lyon maintenant. C'est toi, tu veux être ici? Je veux être ici. Tu veux... Non, c'est les toi, amis. Non, c'est toi. Voilà, jeudi, là, donc aujourd'hui, parce que là, il est 3h du matin. On doit faire une OP ensemble sur Paris. On peut pas vous en dire plus parce que on est sous NDA, voilà, en contrat. Mais vous en saurez plus prochainement. Donc, on doit faire un truc. Donc, bien évidemment, t'inquiète pas que là, il est venu. Il est revenu chez moi. Il m'a dit: oh, Soso, on va aller voir Spider-Man ensemble en 4DX. Alors, oh, c'est menteur. C'est pas toi qui a dit: oh Caïs, on va voir Spider-Man en 4DX. Et toi tu m'as dit oui direct, ouais, on va aller le voir. Oui. Et bah ouais, alors, disons, Veux que tu masques mon truc comme ils font à la télé-réalité. Je veux que tu floutes tout ça. Pourquoi tu veux que je floute? Je fais pas de la pub moi pour NASA. Ils m'ont pas payé pour que je fasse de la pub sur ta vidéo. Et moi, Superman il m'a payé peut-être? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Comment c'est pas une marque là? Par contre ils sont où les sparklings? Je rigole NASA, je rigole avec vous. Ils sont où les sparklings wesh? Eh frère, t'as pris un seul sparking, c'est la cata. Tu sais, c'est quoi qui va faire la force de ta vidéo? C'est le fait que t'aies parlé de Spider-Man. Spider-Man. Ça va pas là. Ça va pas, on va couper la vidéo, c'est pas possible. Ça va pas, les amis, ça va pas. Ça va pas. Non, incroyable. Spider-Man exceptionnel. Je veux rien savoir. Je sais pas comment ils vont faire mieux. Ils peuvent pas. Combien tu veux dire? Ils peuvent pas. Je sais pas. Je sais pas. Bref, vous verrez. C'est incroyable. Pourquoi t'as mis ta cam en carré là? Mais parce que quand t'es debout, c'est mieux comme ça. Et ouais, et moi on me voit pas. Mais c'est pas de ma faute, t'es petit. Alors, là-bas on me voit bien là-bas. On te voit bien. On me voit cher bien, wesh. On te voit cher bien. Bah, mais j'ai pas le choix. Je suis pas petit, toi t'es un géant. Je fais 1m83, c'est non, pas. Non, t'es 1m93, ouais. Donc 83 1m93, ouais. 93, il a dit. Vas-y, sont les sparkings, wesh. Ah, enfin! Oh! Enfin! Tu sais, le mec il est content parce qu'il y a un sparking. Je vais l'avoir 14 J'annonce étoiles. Bulma. Ou Chichi. Chichi. La mort ou Chichi. Ou Flunch, tiens. J'espère un Flunch. Oh, pas mal. J'ai déjà 14 étoiles. Il est cher fort. Mais il est 14 étoiles, ça fait depuis 20 piges qu'on l'a. Qu'est-ce que tu nous racontes lui? Tellement on a eu un sparking. Bon. Je l'ai pas vu, ça fait des années lui. Hein. Bon. Très très longtemps. Bon, moi je m'en fiche, franchement, clairement je fais ça pour les PZ. 3000 cristaux, c'est vraiment pour la garantie des 600 PZ à mettre directement sur le Trunks LF pour l'avoir cette étoile. Je dis cette étoile parce que j'ai déjà 100 PZ LF de côté et du coup en fait il m'en faut 700. Attends, non c'est 700 pour le faire passer 6 étoiles. Ouais, je suis vraiment fatigué. C'est quoi pas déterminé?
C'est quoi le palier déterminé? Il sait pas c'est quoi le palier déterminé? Toi tu joues jamais au jeu toi si, peut-être? Si je joue mais pourquoi bah alors, qu'il n'est pas déterminé ouais. Bah parce qu'en fait tu viens de le terminer là. Tu m'as pas laissé le... C'est pas mal ça, de terminer comme ça c'est pas mal. C'est pas mal de le terminer comme ça. Ça c'est pas mal ça de le terminer comme let's ça. Let's go. Eish. Let's go. Balance ton freezer. Let's go. Pas de Broly. Bon le taux de l'élève. Ouais le taux de l'élève. La vérité, tu fais tomber un élève, c'est comme si t'avais... Non, j'allais dire une connerie de ouf. J'en ai marre. Il est trop tard, les amis. J'en ai marre de lui. Je vous prie de m'excuser pour cette fake vidéo. Out. Non, il n'y a pas de fake out. C'est déjà 14 étoiles. T'as fait ça pour 14... Bon, bref. C'est bon, la vidéo elle se termine sur ça. Ouais, la vidéo elle se termine sur ça. Non, elle se termine pas sur ça la vidéo. Non, commence pas à faire le fou. Elle se termine sur ça la vidéo. Je la sens un doublon. Tu veux pas laisser tes abonnés faire au moins ça. Au moins celle-là. Laisse le doublon. Non. Rien, voilà. Mais non, mais ça c'est flingué. Voilà, comme ça si jamais il y a un sparkling, voilà. En tout cas, les amis, voilà, au cas où pour ceux et celles. Si t'as un extrême, on fait une multi. Il y aura pas d'extrême, ça va être un héros. Si tu fais un extrême, on fait une multi. Vas-y. Les amis, en tout cas pour ceux qui étaient réticents au sujet de Spider-Man, n'hésitez pas à aller le voir. Nous, on l'a vu en 4DX. Incroyable, la sensation 4DX. Et j'avais l'impression d'avoir une folle à côté de moi. Voilà. J'étais choqué. C'est la première fois que je faisais 4DX. Tcha, il n'y a pas d'extrême. Voilà. Allez, va. Ouais, c'était la première fois qu'il faisait 4DX. Non, franchement, 4DX, incroyable avec Spider-Man. Vous savez très bien, quand il est dans les airs et tout, du coup, ton siège, il bouge et tout. Quand il y a des éclaboussures, tu reçois de la flotte. À un moment donné, il y a un peu de neige, tu vois. Du coup, il te balance dans la salle comme des confettis. Incroyable, extraordinaire. Des coups de vent, tu reçois le vent. Quand Spider-Man, tu vois, il est comme as dans la ville et tout, qui va à toute vitesse, toi, tu reçois le vent. Dès qu'il se fait tabasser, dès qu'il prend un coup, boum, t'as ton siège qui bouge. Et lui, t'es... Arrête de mentir. En tout cas, voilà quoi, les amis. C'était incroyable. Bon, c'était juste la petite vidéo du jour. Je comptais pas vraiment la faire. Je me suis dit, bon, quand même, il me faut les 600 PZ pour le fameux Trunks, histoire de le monter en étoile. Voilà, qui passe au moins les 6 étoiles. Et du coup, voilà, avec les 600 PZ qu'on a, plus les 100 PZ de côté. Bah d'ailleurs, on va le faire tout de suite, hein, comme ça, ce sera fait. Hop, oui, voilà. Voilà, et ouais, le jarrafé, ouais. Voilà, hop, on... J'en ai marre. Non, on va d'abord faire ça. Hop, 600. Voilà. Hop, bim. Hop. Eh ben, attendez, mais en fait, je dis n'importe quoi. Je crois qu'il va passer direct. Ah ouais, bah, j'ai même pas besoin de lui mettre les 100. Je suis un ouf, je disais les 100 PZ, mais il y a même pas besoin. T'as fait quoi? J'ai mis direct les 600. Pourquoi t'as fait ça? Bah, comme ça, il passe 6 étoiles direct. Ça te sert à quoi de faire ça? Comment ça sert à quoi de faire passer Trunks 6 étoiles? Il nous dit quoi, lui? Bon bref, bon bah voilà, ça déjà c'est fait. J'ai plus qu'à aller récupérer les PZ dans la boîte à cadeaux qui sont là, hop, récupérer. Et puis voilà, on en garde de côté pour la suite du Legends Festival partie 2. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, on se rappelle quand même qu'on est dans le film DBS Broly. J'ose espérer un bête de Gogeta. Mais qui pourrait venir avec Gogeta? Un petit Badak, encore un nouveau Broly. Je sais pas, on verra bien. J'ai hâte. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire dans l'espace commentaire ce que vous attendez pour la partie 2 du Legend Festival, même si on aimerait du Migaté, mais je sens que le Migaté, ils vont sans doute nous garder en mode tournoi du pouvoir pour l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends fin mai. Voilà. Vous me direz également, vous aussi, ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, la passion passe après les... priorités. Ciao. Ciao. Allez, va te coucher, va. Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, yeah!